Face aux vues grimpantes de Motomoto, des Bordeaux crient à la NAC. Aujourd'hui, face aux vues grimpantes du nouveau bébé, le Motomoto de Didier Arafat, mis en ligne le 10 mai dernier, le chef des légionnaires de Bordeaux Likoufa crie à la NAC et au vol. Publiant des images d'ordinateurs et de téléphones portables alignés et tous ouverts sur les liens YouTube du single, il a déclaré « La plus grosse arnaque. Je fais appel à la police. Je porte plainte lundi. Non, je dis non. Pas de cela dans la musique ivoirienne, ça fait trop honte. Pourquoi forcer des vues, s'il vous plaît? Pensez aux coupés décalés et au pays. Les autres nations nous observent. Tout doit arriver naturellement. J'ai honte, je suis déçu. » A déclaré Debordo Likoufa via son compte Facebook. La guerre est véritablement relancée entre les deux titans. Arafat répondra-t-il à cette accusation de Debordo? Nous serons situés les jours à venir. Que devient Yaourt Rouge? Suite à la nomination d'Anno Jaguar comme le nouveau manager principal de la Yoro Gang, nous nous interrogeons au sujet de Yaourt Rouge. Quelle place lui revient-il? Bosse-t-il encore avec Arafat? Quelles sont leurs relations? Répondant aux questions de la presse le vendredi dernier, Arafat a affirmé ne plus travailler avec Yaourt Rouge comme son manager. Yaourt Rouge n'est plus mon manager. Désormais, Anno Jaguar est le manager principal de la Yoro Gang. Je connais Anno Jaguar et je sais comment il bosse. Je connais sa valeur. Jusqu'à la nomination d'Anno Jaguar, Yaourt Rouge a toujours été le manager principal de la Yoro Gang. Abi Marwan n'a jamais occupé le poste de manager d'Arafat Digué de la Yoro Gang, a déclaré Arafat Digué.